Salut à tous et bienvenue pour ces résultats de sondage sur les duos Disney qu'on a lancé donc il y a 2 semaines, comptez de maintenant, et sur lequel j'aimerais un petit peu revenir avant de me pencher sur les résultats, déjà pour quelque chose d'assez évident, mais aussi sur un souci un peu général entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, on commence un tout petit peu à manquer de matériel, hein. Il faut avouer. J'avoue que depuis quelques temps, j'ai pas énormément des masses d'idées de listes précises à faire qui pourraient attirer les gens. Vous pourriez dire, ah, on t'a fait des propositions du genre, ah, les meilleurs environnements Disney, et j'ai envie de dire, ouais, c'est bien. Est-ce que ça va vraiment intéresser beaucoup de monde, ça? Est-ce que les gens vont vraiment se dire, ah ouais, je me souviens trop de l'environnement de ci, l'environnement de ça. C'est ce genre de considération devient de plus en plus compliqué parce que les choses à classer, les choses à noter même, deviennent de plus en plus rares, en tout cas dans la facilité. Ce qui fait que c'est difficile. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'étendre en 2021, et alors à moins qu'on trouve des idées de génie pour vraiment faire remonter la barre, je crois qu'à partir de 2022, en tout cas pour ma part, ça va être mal barré pour continuer ça, en tout cas sur une base mensuelle. Ou alors vraiment, on fera du recyclage, c'est-à-dire on reviendra sur des trucs qu'on a déjà fait, mais avec des yeux neufs. Voilà, c'est histoire de dire que, bon, on a encore quelque chose de prévu, on a encore quelques idées, hein, mais ça va pas durer plus d'un an à partir de là, je pense. Voilà, fin 2021, je pense qu'on va ralentir le rythme. En tout cas, voilà, ça c'est dit. Autre chose, donc, c'est une liste de duos qui n'est pas complète pour certains, et ils ont raison par rapport à 2 points précis, mais pas pour le reste. Hein, c'est-à-dire que faut bien comprendre que cette liste, ce sont les duos qui sont vraiment définis comme tels. 2 personnages qu'on dissocie difficilement l'un de l'autre. Voilà le thème, entre guillemets, qui est choisi. Et c'est pour ça qu'on a réussi à avoir une liste pas excessivement longue, parce que s'il faut vraiment, et j'ai bien vraiment compté les duos au sens large, c'est-à-dire 2 personnages, ou même 3 personnages, parce que j'ai compté les trios aussi, et qui ont une dynamique de duo, quoi, qui interagissent ensemble et qui nouent une relation particulière à eux deux, qui se reconnaît bien, et ben alors là, on en a plus de 100, hein. Tous les films animés Disney mettent en place des relations de personnages, et évidemment il va y avoir des duos qui ressortent, c'est évident. Vaiana, voilà, Vaiana et Maui, c'est un duo, techniquement. Basile et Dawson, Réponse et Pascal, vous pouvez en trouver des tas de duos, de dynamiques de duos, hein. Si on part là-dessus, on n'est pas rendu. Voilà, donc c'est vraiment un thème particulier où c'est vraiment des personnages définis très majoritairement en tant que duo. Hein, j'avoue que j'ai un tout petit peu ratissé large pour quelques cas, parce que je sentais que si je les comptais pas, on le verrait mal, mais globalement, voilà, c'était des duos définis vraiment principalement comme tels. Et pas juste, tiens, ils ont une dynamique de duo, en plus d'être des personnages à part entière qui se définissent quand même très individuellement. Voilà pourquoi il y a beaucoup de cas que vous pourriez déplorer, mais qui ne sont pas vraiment, en tout cas dans le thème qui est choisi, parce que sinon, bah, voilà, hein, alors là, ça monte le plafond, hein, vraiment. Donc, en partant de cette considération-là, j'ai oublié 2 cas, en tout cas 2 que j'ai repris dans mes commentaires, par rapport à ça, qui sont des oublis assez graves. D'une part, Napoléon et Lafayette des Aristochats, et d'autre part, Li Yen du Roi Lion. Et ouais, c'est ma faute, hein, j'ai pas fait gaffe. Parce que c'est clair et net que ces deux-là, j'aurais dû les compter, hein. Il n'y a pas photo, hein. Surtout les yens, je suis sûr qu'elles auraient été super bien placées si je les avais comptées, hein. C'est un oubli de ma part, je m'excuse sincèrement. Je vais essayer de donner quand même une raison à pourquoi j'ai fait cette grosse boulette. Parce que, en fait, je suis parti sur un seul duo
J'ai pris le duo qui se démarquait le plus dans chacun des films. Pour moi, celui qui m'a le plus marqué, pas forcément bien, pour le cas des oies dans Les Aristochats, mais voilà, j'ai pris un duo qui m'a bien marqué, et je suis parti sur le raccourci un peu stupide que voilà, j'ai fait un duo, c'est bon, on passe à la suite. Sans me dire, ah oui, il y a peut-être possibilité qu'il y ait d'autres duos. Et voilà, c'est pour ça que j'ai oublié ces cas-là. Alors que bon, ça mérite quand même d'être retenu, hein, c'est important, quoi. Donc je vous présente mes excuses une fois plus, et j'aurais vraiment dû les compter. Et je pense que c'est en lien avec un problème qu'on a depuis pas mal de temps, j'arrête pas d'oublier des trucs, ça devient le gag récurrent, hein. Et je me rends compte que avoir une seule personne pour me relire, ça ne suffit pas. Et je vais lancer un petit appel pour quelqu'un que ça pourrait intéresser de simplement faire le relecteur. C'est-à-dire quelqu'un qui se chargerait juste de lire la liste de personnages, de thèmes, etc. que j'aurais faite pour le sondage et de me dire si j'ai pas oublié quelque chose. Parce que voilà, Hugo, ça passe entre les mailles de son filet à lui. Peut-être que si je prends deux filets, il y aura moins de trucs qui passeront entre les mailles. Donc, voilà, si quelqu'un sur le Discord est intéressé, qu'il n'hésite pas à m'en parler pour les futures listes. Bon, il y en a certaines qui seront un peu évidentes, hein, qui n'auront pas vraiment besoin d'être retravaillées quand la liste est assez simple, hein, genre la liste de films Star Wars ou ce genre de conneries. Mais voilà, c'est histoire de dire. Je lance un appel pour ça, pour éviter par le futur de faire ça, et j'aurais dû le faire depuis longtemps. Longtemps. Parce que voilà, oublier les yens, c'est ultra grossier de ma part, hein. Alors, les gens qui m'ont repris et qui l'ont mal senti, je les comprends très bien. J'aurais jamais dû faire ça. Alors, en tout cas, voilà, maintenant que c'est dit, il reste un petit truc à préciser. Hugo ne pourra pas participer, pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il n'en a pas les possibilités. Hein, parce que là où il se trouve, c'est pas pratique de s'enregistrer, c'est compliqué, ça a un mauvais rendu, donc il a préféré ne pas le faire, et à la place, il s'est donné la peine de vous enticher d'un petit texte descriptif pour chacun. Des duos, trios qui sont dans cette liste. Donc voilà, ce sera montré au fur et à mesure des petites listes qui vont défiler. C'est parti pour la liste, en commençant par le bas du panier avec Uto et Kago de Tarzan 2. Je comprends très bien cette place, hein. Je crois que je l'ai située avant-dernier moi-même. Je peux pas les blairer, hein. C'est une façon de chier totalement sur l'ambiance du film et de transformer ça en énorme blague. Insupportable, insupportable l'humour débilos autour d'eux. Et on aurait pu faire la même intrigue, le même scénar avec des personnages moins cons. Mais vraiment, la même intrigue. Mais vous avez décidé d'insister sur cette débilité-là et c'était ridicule. Ridicule. Nous avons ensuite les pigeons de Volt. Honnêtement, je les aime pas plus que ça, je les trouve un peu concons, mais ils sont pas aussi affligeants que d'autres, personnellement. Donc voilà, c'est pas dans le plus bas qui soit, mais je comprends cette place. Pas ultra marquant, et voilà, c'est un trio qui se force un petit peu, histoire de dire, il sert à rien. Mais il y a pas mal de duo trio qui servent à rien. Il faut que je dise quand même ça aussi, je trouve pas qu'il y ait énormément de duos qui soient excellentissimes là-dedans. Hein. Il n'y a pas beaucoup de duos de groupes de personnages dans cette liste que j'ai trouvé mirobolants. Il y en a quelques-uns, mais pas des masses. Donc, ouais, soyez prévenus par rapport à ça. Donc, ensuite, en numéro 35, les triplés de rebelles. Eh ben, je suis content de voir qu'il n'y a pas que moi qui les supporte pas, ces trois cons-là. Je sais pas quoi dire de plus. C'est des clichés de gamins turbulents qui font les cons. Et ça s'inscrit tellement mal dans le film. C'est ce genre de détails où on fout le film en pause pour des conneries. Et c'est affligeant, c'est affligeant de voir ça. Donc voilà, ils sont particulièrement désagréables à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Clark et Gable des films Clochette. Il me semble qu'ils ne s'appellent pas comme ça en VO au passage. Mais c'est pareil, c'est un jeu de mots quand même, hein. Et voilà, donc Clark et Gable des films Clochette, ils sont très moyens, c'est pas les pires, honnêtement.
mais ils sont quand même très moyens. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on a ce besoin, étant donné que c'est des films qui essayent de viser des gamins, de les rendre concons un petit peu plus qu'ils ne le devraient. Un peu trop. Mais oui, par rapport à d'autres personnages, c'est pas les plus horripilants qui soient. C'est dans la moitié du bas, mais pas dans les pires en ce qui me concerne. Après, nous avons la famille T-Rex du voyage d'Arlo. Alors, c'est pas super marquant, c'est sûr, comme film. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont pas super bien placés. Mais ça va! Ils sont plutôt sympas, je trouve. Hein. Ils ont leur passé, ils ont leur petite dynamique de famille. C'est un petit trio qui fait le taf correctement. Mais bon, c'est le voyage d'Arlo, le film dont la plupart des gens se foutent, donc c'est tout à fait compréhensible que ce soit pas passé particulièrement haut. Hein. Je suis sûr que ça doit être un de ceux qui a eu le moins de votes, la famille T-Rex, dans les duos trio. Après, Bucky et Ducky de Toy Story 4. J'ai vraiment pas envie d'en parler. C'est. En fait, c'est un constat, ce duo. Sur le fait que Disney ne peut pas évoluer de certains de ses clichés ridicules. Malheureusement. Voilà les duos d'abrutis qui doivent alléger l'atmosphère en se forçant, en emmerdant le monde. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont censés être drôles. C'est présent depuis le début et on répète ça. Constamment, parce que voilà, il y a un public à qui ça plaît. Eh ben, et tant mieux, moi j'en fais pas du tout partie. Ça fait depuis le début que j'en fais pas partie. Depuis que j'ai 8 ans, je déteste ce genre de personnage de merde. Et plus je grandis, plus ça me gonfle. Donc voilà, j'emmerde ces deux-là. Les frères Touillard de la ferme se rebellent. Alors. Je sais que je vais paraître un tout petit peu hypocrite en disant ça, mais il passe. Voilà, il passe dans le sens où, contrairement à la plupart des films qu'on traite, La ferme se rebelle n'a pas vocation à avoir une aventure ultra sérieuse. C'est du gros délire débile, un petit peu à la Cusco, quoi, j'ai envie de dire. C'est un tout petit peu ce genre d'ambiance que ça essaye de créer, un peu à la Cusco. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui était un peu visé. Quoi qu'on essaye de faire un truc un peu au ton Cusco qui puisse plaire. Et donc, voilà, ce genre d'ahuri de passage, ça s'incruste mieux dans ce genre de délire un peu décérébré. Qu'on assume que enfin, des histoires un peu plus sérieuses, quoi, comme Toy Story 4, par exemple, juste avant. C'est pour ça que j'arrive un peu à les apprécier dans certaines dynamiques qu'ils ont, notamment en énervant notre méchant principal. Après, il faut bien comprendre que c'est pas non plus des personnages géniaux, hein. Voilà, ils me font un peu sourire, ça va, c'est déjà ça. C'est quand même mieux que pas mal de ces duos en ce qui me concerne. Après, Shibap et Chichi des Mille et une pattes, c'est deux jumeaux, c'est deux blattes jumelles, il me semble que c'est des blattes, et je me trompe peut-être, hein, reprenez-moi, moi les animaux une fois de plus, qui sont russes, je crois, ou tchétchènes, je ne sais plus exactement quelle langue c'est. Bref, et la blague autour d'eux est pas mauvaise en soi, mais s'épuise vite et c'est pas ultra marquant. Contrairement à la plupart des personnages, à une exception près, à part la grosse chenille, qui arrive à avoir de la personnalité, un tout petit peu de sérieux dans l'intrigue, en dehors de leurs excentricités. Là, voilà, ils sont. C'est des petits guignols de service qui font un tout petit peu sourire sans plus, qui sont pas très marquants, pas très mémorables. Je comprends qu'ils soient pas super bien placés, honnêtement. Ensuite, nous avons Baylin et Emma de Dinosaures. Ouais, c'est les deux vieilles de passage. J'ai un peu hésité à les compter comme duo, mais. Je dis, ouais, techniquement, elles sont toujours collées l'une à l'autre. Elles représentent la vieillesse, l'âge de raison, entre guillemets, du groupe. Techniquement, elles sont un peu considérées comme un duo, quoi. Et ouais, elles sont là.
Elles suivent le mouvement, elles sont pas ultra marquantes. On essaye un tout petit peu de jouer sur le fait que voilà, ça représente les anciens qu'on veut laisser derrière, mais on veut quand même les garder. Donc en termes de représentation au sein du film, ça va. Pour tout le reste, rien de marquant, hein. Vraiment, je les oublie vite. À part la scène du cul de sac. Alors, en dehors de ça, je les oublie très vite, ces deux-là. Bien, ensuite, nous avons Tip et Flash de la Petite Sirène 2. C'est un des rares duos réels à être introduit dans une suite Disney Toon. Et je trouve dommage que ce soit aussi mal placé, parce que, sincèrement, je trouve sympa. Bon, j'ai déjà fait un laïus là-dessus dans mon top retour sur le film. Et voilà, bah, ce sont deux bons sidekicks bien incrustés dans le ton. Et c'est juste le début, quoi. Comment on les introduit, qui est ridicule et grossier. Mais en dehors de ce début-là, moi, je les trouve très très réussis, ceux de là. Donc, voilà, hein, je les ai bien mieux placés que ça, personnellement. Ensuite, les frères Stubbington de Réponse. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de ça dans ma tier list sur la série. Voilà, c'est les deux gros bras qui sont des menaces parce que c'est des gros bras. Il n'y a pas de grande profondeur, complexité là-dedans, quoi. Ils servent surtout à appuyer l'atmosphère, entre guillemets, les dangers présents, et à servir un peu de pion pour Gothel. Et à ce niveau-là, ils remplissent parfaitement leur rôle, quoi. Ils s'imbriquent très bien dans l'histoire. Individuellement, ces deux-là, ils se retiennent pas plus. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé complètement grossier d'insister autant sur eux dans la série, parce que c'est pas comme s'ils gagnaient en complexité ou en profondeur. C'est toujours les deux mêmes gros bras qui peuvent faire peur parce qu'ils peuvent faire mal. Même si pas trop, puisque à chaque fois ils se font laminer comme des merdes. Mais bon, c'est pour ça qu'ils sont pas super marquants. Mais voilà, ils remplissent bien leur rôle dans le film. C'est un peu des personnages fonction dans un sens. Donc à ce niveau-là, ils le font bien. Après, Truc et Muche des Frères des Ours. Sérieusement, c'est de là, je peux pas les blairer. Ils se forcent dans l'intrigue à avoir un rôle alors qu'ils ne servent à rien. Une fois de plus, hein, c'est comme je le dis, ce besoin de faire ces espèces d'abrutis qui font chier le monde par leur simple présence en étant des abrutis, quoi. Et ouais, si c'est drôle pour certains, pas pour moi. C'est un archétype de personnage à Disney qu'on a plusieurs fois, et c'est des exemples flagrants de la chose que je peux pas blairer. Voilà, donc c'est dans le bas du panier pour moi, cela. Roscoe et DeSoto de Oliver et compagnie Je me souviens vaguement d'eux. Quand j'ai dû faire une liste et je suis passé par ce film, je me suis dit, attends, qui est-ce qu'on peut avoir comme duo? Et il me semble qu'il y avait deux bulldogs. Les deux bulldogs du méchant. Je sais pas si c'est des bulldogs ou je sais pas quoi. Je sais jamais, quoi. Mais dites-moi ce que c'est comme race de chien. Je m'en bats les couilles, mais voilà, vous le saurez, vous. Bref, deux chiens méchants, hein, qui sont du côté du gros méchant mafieux. Et je lui dis, ah oui, c'est vrai. Alors là, Osef sur 20, ces deux-là, hein, tellement j'en ai rien à secouer de ce qu'ils représentent. Si, une fois de plus, deux gros bras de service. Après, ils m'ont pas déplu particulièrement, ils m'ont juste laissé de marbre totalement, ceux-là. Bon, ensuite, nous avons les requins du monde de Nemo. Je suis un peu étonné, honnêtement, qu'ils soient si mal placés, même si je suis content dans un sens, parce que je pense pas grand-chose d'eux, hein. Je trouve que c'est un peu grossier la façon dont ils s'imbriquent dans le voyage, le périple de marin. Sincèrement, hein, même s'ils sont un peu rigolos, mais voilà, la façon dont ils s'incrustent, c'est grossier. Donc voilà, je suis un peu content de voir qu'ils sont pas si bien placés que ça, mais je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient mieux placés, hein, vu la popularité un peu de ces personnages-là. Enfin bon, tant mieux, hein, dans un sens. Après, Tipo et Chaka, les deux enfants de Pacha et Chicha. C'est pas mal de consonances qui se répètent, hein, dans cette famille. Donc, oui, deux enfants qui sont un peu mignons, un peu rigolos dans leur façon d'être dans le film. Après, on insiste un petit peu trop sur eux et ils perdent un peu
en fraîcheur au fur et à mesure, second film, la série, il me laisse un peu de marbre dans la suite, mais dans le premier film, ils sont suffisamment marquants et un peu mignons, drôles dans leur genre pour laisser une petite marque, voilà, c'est une dynamique de frères et sœurs typique qui s'inscrit bien dans le bon rythme du film. Et même dans la suite et la série, quoi, ils gâchent rien, voilà. Donc là, ils sont plutôt plaisants. Pas grand chose à dire de particulier. Les oies des Aristochats. J'ai pu un peu pencher dessus dans ma critique, j'en pense pas moins maintenant, je peux pas les blairer, ces connasses. Tellement elles se forcent, elles s'incrustent pour faire chier le monde. Je veux dire, au début, elles manquent de tuer au mal et elles se disent « Oh, tant pis oh, !» oh, oh, oh. Elles comprennent pas quand on... quand on fait du sarcasme, elles sont... C'est des crétines qui se forcent et qui servent à rien. Elles servent juste à dire « Ah, vous voulez aller là ? Ben, on vous y conduit, quoi. » C'est de la grosse parenthèse inutile. Où on n'appuie rien, en fait. Absolument rien. À part mettre le film en pause. Et c'est ça le principe. C'est aussi pareil avec Napoléon et Lafayette. Même si eux, ils me font marrer, contrairement aux oies que je trouve insupportables. C'est que, voilà, c'est juste de la dynamique pour remplir le film. Mais il n'y aurait pas ça, le film se déroulerait exactement pareil. Et c'est juste, le film ne dure pas assez longtemps sans ça. Comment vous voulez que j'ai énormément de respect si... 40% de votre film, c'est du gros remplissage pour faire se marrer sans chercher plus loin. C'est trop, c'est beaucoup trop, je suis désolé. Et voilà, c'est autant Napoléon Lafayette, ça me fait marrer, donc j'en tire quand même une certaine valeur, je vais pas le nier une seule seconde. Autant, c'est là, je suis juste gavante, hein. Vraiment. Dinky et Picker de Roxy Rookie, rien à foutre. Mais alors, rien à branler. Et ils interviennent de temps en temps histoire de dire « Ah, on fait du gag !» Ça sert à rien, puis après on passe à autre chose. Hein. C'est le problème que j'ai déjà déploré dans Roxy Rookie. Hein. Je suis désolé les gens qui n'ont pas de soucis avec ça, mais voilà, on passe beaucoup trop de temps à s'étendre sur ce qui n'a pas besoin d'être étendu. Alors qu'à côté de ça, ben, y a tout ce qui est au centre, qui est censé être au centre, qui aurait dû être beaucoup plus étendu, exploré. Mais à la place, on préfère faire des conneries. On préfère faire une espèce de dynamique de cartoon avec ces deux-là et une espèce de ver qu'ils essayent d'attraper pour le bouffer. C'est pas affreux en soi, du cartoon basique, un peu plat, mais pas affreux. Je m'en fous au bout du compte par rapport à l'intrigue centrale. Je m'en fous royalement, mais royalement, je suis désolé. Hein. Donc voilà, il me laisse totalement de marbre et je m'en fiche un petit peu. Néron et Brutus de Bernard et Bianca, c'est marquant. Alors, bon, c'est un petit peu grotesque dans l'absolu, mais bon, quand on compare à l'espèce de coalition d'animaux complètement ridicules qui attaquent à la fin, j'ai envie de dire, ça va, hein, c'est quand même un bon cran, quelques bons crans en dessous, ça, hein, Néron et Brutus. Et le truc avec ça, c'est qu'ils sont assez imposants, ils foutent les jetons, ces deux-là. Hein, voilà, ils appuient bien là, le danger. Du personnage, quoi, de l'influence du personnage, comme quoi on peut pas l'approcher bêtement comme ça. Ils font parfaitement bien leur office, quoi, et à chaque fois qu'ils apparaissent pour s'en prendre le personnage, on a un peu peur. Même quand ça part dans le cartoon par moment, on a quand même peur, parce que ça risque gros à chaque instant. Donc j'avoue qu'à cet effet-là, c'est bien rendu, c'est très bien rendu, donc ils font bien passer ça. Après, c'est pas ce que j'appelle des personnages ultra marquants non plus, mais... Voilà, ils sont très efficaces dans ce qu'ils veulent faire. Après, les corbeaux de Dumbo. C'est peut-être les seuls persos que j'arrive à apprécier. Je veux dire, même Dumbo, je m'en fiche un petit peu de lui. Je veux dire, il est pas... J'ai rien contre lui, quoi. Je le déteste pas, mais il me passe comme ça par-dessus la tête. C'est les seuls personnages à avoir de la personnalité qui me plaît un peu. Un peu railleur, on se marre, un peu bruyant sur les bords, je le reconnais, mais voilà, on est railleur, on essaie un tout petit peu de participer à la fin, il me marque un peu en bien, alors que les autres personnages, ben, ils sont là. Voilà,
Et si vous rajoutez à ça une chanson plutôt sympathique, hein, la plus mémorable du film pour moi, ben, ça va, ils sont très solides pour ce que ça veut faire. Flotsam et Jetsam, qui sont une extension d'Ursula à quelques détails près, et qui sont assez flippants, assez marquants dans leur façon d'approcher, de s'exprimer, qui, j'avoue, passe bien, quoi. C'est très, très bien fichu dans la mise en scène, la façon de parler, de se compléter l'un l'autre avec un ton un peu sordide, ça fait bien, quoi. Après, c'est pas ce que j'appelle non plus une personnalité ultra poussée, ou même un rôle ultra mis en avant. Cela dit, j'avoue que leur fin, tout comme Hugo, est assez ironique, plutôt poétique dans un certain sens. Donc j'avoue que c'était bien pensé, ça aussi. Donc bien, bon soutien de méchant, je trouve. Les vautours du livre de la jungle, ils m'ont pas marqué particulièrement. À part le fait que c'est censé être une parodie des Beatles, mais en dehors de ça, oui, c'est sympa sans plus. Je me souviens même plus, est-ce qu'ils étaient 3 ou 4? Il me semble qu'ils étaient 3, mais si ça se trouve, ils étaient 4, donc ça devrait même pas être comptabilisé là-dedans, hein. Donc voilà, j'ai rien de spécialement mauvais à dire sur eux, mais rien d'ultra mémorable en ressort, quoi. En tout cas pour moi, hein. Si vous avez ressenti quelque chose de marquant dans leur dynamique, tant mieux, moi. Par-dessus la tête, ça. Les gargouilles du bossu de Notre-Dame, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Voilà, je trouve qu'on a tendance à être un peu trop gentil avec ça, parce que beaucoup de gens veulent défendre les gargouilles sur ce qu'elles apportent. Elles apportent rien. Elle plombe le ton du film, tout simplement, pour le besoin de faire des gags pour enfants, parce que sinon il serait pas dedans. Et j'ai envie de dire, oui, quand j'étais gamin, c'est pas ça qui m'a empêché de ne pas être pris dans ce film, hein, personnellement. Donc, ouais, il y a juste un truc, un moment, je reconnais où ils sont sympathiques, qu'ils apportent quelque chose, c'est à la fin lorsqu'ils font un discours à Quasimodo qui est enchaîné. Et ce qui permet de lui faire revenir un petit peu à ses esprits. J'avoue que oui, là, ils sont un petit peu touchants, ils arrivent à être un peu justes, parce que c'est la seule putain de fois qui ne se comporte pas en guignol débile. J'avoue, hein, les autres fois, j'aurais bien aimé qu'on alterne un peu plus avec des moments comme ça, mais sûr, au moins ils ont une scène. C'est quelque chose que je leur reconnais de plus par rapport à d'autres duos, trios merdiques qui me gonflent, quoi, c'est quand même, il y a ça. Et ouais, ça aurait pu avoir une certaine valeur psychologique si c'était des fragments de l'imagination de Quasimodo. Mais je suis désolé une fois de plus, je fais gaffe au film, et le film met ça en scène de façon très claire comme étant des vrais personnages qui existent pour de vrai. Pas des hallucinations, hein. Sérieusement, faites gaffe et osez me dire que ça essaye de mettre ça en scène comme des hallucinations de Quasimodo, mon cul, quoi. Désolé, non, c'est pas ça. Donc, ouais, un problème avec ça, mais bon, c'est pas étonnant que ce soit. Je suis bien placé, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, tant mieux pour vous. Après, donc, on passe au personnage d'Alice au Pays des Merveilles, hein, donc un peu plus tard pour les derniers, mais voilà, on a deux duos. Et c'est ça le truc, Alice au Pays des Merveilles, c'est tellement des rencontres un peu aléatoires, entre guillemets, puisque c'est un rêve qui essaye d'appuyer le thème de la curiosité et tout. Et il y a une rencontre qui se centre sur un duo, puis un autre. D'abord Tweedledee et Tweedledum, et après il raconte une histoire avec Charpentier et Monsieur Morse. Et honnêtement, je préfère Charpentier et Monsieur Morse à Tweedledee et Tweedledum. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un peu discutable, un peu à revoir par rapport à l'importance que ça peut valoir, vu que bon, c'est juste des personnages de passage. C'est vrai. Mais je trouve que pour ce qu'ils apportent déjà pour appuyer donc le message sur la curiosité et comment Alice le vit, c'est déjà bien fichu pour Tweedledee et Tweedledum.
Ça appuie bien aussi la folie du pays dans lequel elle se trouve. Et j'adore le segment autour de Charpentier et Monsieur Morse. Alors, c'est une parenthèse qui essaye d'appuyer une fois de plus la notion de curiosité. Donc, c'est pas non plus anodin totalement. Et je trouve ça assez bon de voir cette dynamique entre Monsieur Morse qui est plus beau parleur, Charpentier qui est plus du genre à sauter aux conclusions, à sauter à la viande, dira-t-on. Ça crée une dynamique un peu particulière et voilà, c'est un cartoon un peu glauque à la fin qui passe très très bien avec leurs deux personnalités qui se chevauchent. Honnêtement, j'aime beaucoup ça. Tweedledee Tweedledum, ben, ils font bien passer leurs petits échanges avec Alice le temps que ça dure. C'est quelque chose, je les aurais moins bien placés, mais le Charpentier et Monsieur Morse, vraiment, j'en garde un bon souvenir de ça, vraiment. Ensuite, Toc et Tantor, que j'aime bien. C'est difficile de les qualifier de duo, vraiment, en termes de signification, parce que je trouve quand même que l'un comme l'autre ont une définition individuelle. Mais voilà, ça fait partie des cas où je me suis dit, si je les compte pas, les gens vont me reprendre. Et ouais, ils ont quand même une dynamique de duo un peu poussée. On a tendance à les voir beaucoup plus souvent ensemble que séparés. C'est. On peut considérer les femmes plus comme un duo qu'autre chose. Voilà. Donc, je prends comme ça, j'accepte. Et ça va, ils interagissent bien ensemble, j'aime ça. Et on passe plus de temps à les faire être des guignols, mais pas des guignols de façon insupportable. Hein. Ils sont un peu drôles tous les deux, hein, j'aime bien. C'est un peu le souci, hein. Enfin, je me suis déjà penché là-dessus dans mon top retour sur le film, donc voilà, ils sont plaisants l'un comme l'autre, donc j'aime bien ça. Après, oui, c'est pas les personnages les plus marquants du film, et leur duo, c'est pas le plus décapant qui soit, mais c'est efficace. Je veux pas le nier. Après Jumba et Pikli, je suis sur le cul que ce soit pas dans le top 10, ça. Parce que vraiment, il me semblait que les gens étaient plutôt fans de Jumba et Pikli, ben pas tant que ça. Enfin, si, hein, vous appréciez, quoi, il est quand même bien placé, mais pas énormément quand on compare à d'autres plus loin, donc c'est. Je l'avais pas vu venir, hein, honnêtement. Et ouais, j'aime beaucoup l'un comme l'autre individuellement, le passé qui appuie bien leur mentalité, et surtout comment ça crée une forte dynamique entre eux. C'est très certainement le duo le plus forcé de cette liste, entre guillemets, parce que je trouve sincèrement ce coup-ci qu'ils ont chacun une mentalité, une personnalité qui va très bien individuellement et qui suffit bien. Cela dit, ouais, on passe beaucoup de temps dans le film et la série à les appuyer en tant que duo. Surtout Pikli. Pikli est souvent défini en duo avec Jumba. Mais chacun, l'un comme l'autre, a ses moments individuels pour briller. Donc, ouais. Bah, le plus forcé du lot, et je les aime beaucoup individuellement. En tant que duo, ils passent nickel aussi. Très bien réussi. Vraiment, je les aime beaucoup, ceux-là. C'est dans mon top 3, personnellement. Ensuite, pour terminer, avoir le top 10, Monsieur et Madame Patate. Alors, c'est Hugo qui l'a proposé parce que j'y avais pas vraiment pensé. Mais c'est vrai, j'ai pas compté ça dans la catégorie couple quand on a fait ça la dernière fois. On rattrape un petit peu le coup. Une fois de plus. C'est pour ça, je vais vraiment avoir besoin d'un relecteur, quoi. Parce qu'apparemment, Hugo, lui aussi, fait passer pas mal de trucs dans les mailles de son filet. Je vais avoir besoin d'un petit correcteur à ce niveau-là. Bref, ouais, Monsieur et Madame Patate, bien. C'est un couple déjà posé quand on les voit vraiment dans Toy Story 2, et une fois que c'est fait, bah, ça passe. C'est pas non plus ce que j'appelle du sensationnel, mais voilà quoi. On voit qu'eux, ils sont liés, qu'ils se respectent bien, qu'ils ont une relation de couple bien définie, bien posé, qui les rend très naturels. Très naturels. Après, ça les rend pas ultra immoral, mais très naturels. Et honnêtement, oui, chaque fois qu'on passe du temps sur eux, c'est jamais déplaisant. Donc, ils font bien passer ça. Et ouais, quoi, ils ont une dynamique de couple duo, dira-t-on. Je force un peu, hein, vraiment. Qui ne fait vraiment pas tâche dans les films. Bon.
On passe désormais au top 10 en commençant par Horace et Jasper. Voilà, les deux méchants sous-fifres des saints et dalmatiens que beaucoup de gens considèrent comme meilleurs dans la version live-action. C'est un moment que j'ai plus vu cette version-là, je ne vous cache pas. Je me souviens que, ouais, Hugh Laurie était génial. Mais bon, c'est Hugh Laurie, j'adore ce qu'il fait celui-là. En dehors de ça, oui, dans le film animé, je trouve quand même qu'il passe très bien. Vraiment, hein, ils sont très drôles. Un peu, peut-être, bof, brut de décoffrage sur les bords. Il faut qu'on les rende un petit peu bébêtes, un poil exagéré, je trouve, par moment. Mais en dehors de ça, voilà, ce sont des sous-fifres qui remplissent très bien leur rôle de sous-fifres avec suffisamment de personnalité pour qu'on les retienne. Ce sont les deux méchants laquais qui font ça pour le fric, évidemment, qui n'ont pas beaucoup de scrupules et à ce stade-là, bah, ils sont très efficaces dans leur rôle et ils ont plusieurs réactions qui sont bien marrantes, qui les cimentent bien. Ça, ils les rendent assez mémorables. Après Jock et César de La Belle et le Clochard, je trouve tellement qu'ils servent à rien. Non, je suis désolé hein, pour les fans, mais je trouve tellement que d'un film à l'autre, même en comptant La Belle et le Clochard 2, surtout en comptant La Belle et le Clochard 2, ils servent à rien. Et à chaque fois qu'ils essayent d'intervenir, c'est juste pour appuyer comment se ressent la relation entre Belle et Lady et le Clochard. Mais en dehors de ça, il pourrait tout à fait bien ne pas être là, ce pourrait juste être un seul chien qui existe et tout, que ce serait pareil. Et leur dynamique de duo, honnêtement, je ne m'a pas marqué plus que ça. Ouais, quoi, à part le coup de que le disait, bon, vénérable grand-père. Et Jock qui a son accent anglais à couper au couteau. Ça me laisse de marbre, honnêtement. Ils sont pas désagréables ou quoi que ce soit, mais ils me laissent un peu... Ils me font pas spécialement marrer. La seule chose de bien que je peux dire sur eux, c'est que, voilà, ils montrent quand même un petit peu que ce sont des chiens sur qui on peut compter. Voilà, quoi. Dès lors qu'il y a un problème, ils essayent d'être là pour Lady. Ils essayent, quoi. Ils montrent, on est là pour vous, on vous aime bien, tout ça. Voilà, il y a une petite solidarité qui se ressent chez eux. En dehors de ça, voilà. Bon, on essaye de forcer, une fois de plus, j'en ai déjà parlé, quoi, un moment dramatique autour d'eux qui mène à rien, donc, excusez-moi, ça me fait ni chaud ni froid, ça aussi. Donc, voilà, au bout du compte, c'est des personnages qui... Ils existent, ils gâtent rien, mais est-ce que le film perdrait grand-chose s'ils n'étaient pas là? Je trouve pas, hein, je trouve pas. Donc, ensuite, le Chapelier Fou, la Lièvre de Mars, apparemment Hugo les déteste. Ok, alors je peux comprendre hein, qu'ils mettent en pause le film, mais il y a beaucoup de choses qui mettent en pause le film, hein, c'est ça le truc. Je pense que l'intervention du Chapelier Fou et du Lièvre de Mars, ça aide à poser un point où Alice commence à en avoir un petit peu marre de cette recherche. C'est à partir de ce moment-là que Alice commence à en avoir un petit peu marre de la folie ambiante du coin et commence un tout petit peu à partir vers l'idée qu'elle veut plutôt rentrer chez elle qu'avoir une réponse à ces questions. Et ce qui, je trouve, est quand même assez fort. Et pour ça, il faut les rendre un peu plus insistants, encore plus absurdes que la base qu'elle a déjà eue, histoire d'avoir cette espèce de léger point de rupture. Et je trouve qu'il est bien rendu, ce point de rupture, autour d'Alice. Vraiment, quoi. Où elle les suit un peu dans leur délire, et au bout d'un moment, elle se dit « Putain, merde, ça commence à me foutre. » Voilà. C'est là que ça commence à venir. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils apportent. Leur dynamique, bon, elle est assez notable. Ils ont une chanson qui rentre dans la tête, tout ça, tout ça. Et, ouais, quoi, ils s'incrustent totalement dans la folie du coin. Vraiment, à tel point que pour beaucoup, c'est eux qui la représentent le plus. Après, personnellement, je leur préfère le chat de Cheshire à ce niveau-là. Parce que, en plus de représenter la folie ambiante, il fait progresser un petit peu l'histoire, il dit un peu Alice où aller. Je trouve que on aurait pu passer un peu plus de temps, encore plus, sur le chat de Cheshire. Je trouve que ce sont des personnages qui appuient de façon tout aussi forte que d'autres l'aspect totalement zinzin de l'endroit. Et étant donné qu'ils représentent un moment un peu pivot pour Alice, ils sont un peu plus remarquables à ce niveau-là. Et surtout avec leur chanson. Je pense que c'est leur chanson qui a su cimenter le côté...
plus incontournable, plus populaire du personnage, sincèrement. Et bon, ça, oui, ça se passe bien, vraiment. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Gédéon et Grand Coquin, comme je l'ai dit, ce sont des trouducs de passage qui sont assez réjouissants à voir. Ce sont des sales filous qui font bien passer leur filouterie, avec de temps en temps quelques gags cartoon qui étaient peut-être un petit peu exagérés, dont on aurait pu un peu se passer, mais globalement, voilà quoi. Ils ont une dynamique à rythmer assez drôle, et ils appuient quand même assez bien le côté Stranger Danger, hein, si je peux dire, hein, le côté ouais, danger de la personne qu'on ne connaît pas, de l'inconnu, auquel il ne faut pas faire confiance comme ça, hein, de façon un peu facile. Mais bon, hein, Pinocchio dans le déroulé, il y a quand même quelques trucs qui sont un peu faciles, hein, c'est plus à voir comme un conte que comme quelque chose qui essaye de refléter une certaine réalité non plus. Donc, ouais, c'est à ce stade-là, ils font très bien le café en tant qu'intermédiaire, en fait. Ils font très bien le boulot d'intermédiaire, ils ont une bonne dynamique bien drôle, j'aime beaucoup ça. Et ils sont très efficaces dans le propos, personnellement. Et comme d'autres, c'est des personnages qui n'auront aucun retour de bateau après ce qu'ils auront vécu. Une fois de plus, c'est quand même dingue. Je pense que Pinocchio doit être le seul film, vraiment, où on met en avant autant de personnages enfoirés qui ne reçoivent aucun juste châtiment. Mais à ce point, quoi. C'est le film le plus extraordinairement glauque à cet égard-là de ce que Disney Animation Studios a fait. Ensuite, Peine et Panique de Hercule. Ouais. Ça va, il passe correctement. Ils m'ont jamais marqué particulièrement, je suis désolé. Ils ont quelques moments drôles, mais on force un tout petit peu leur idiotie pour appuyer Hadès, qui n'en a pas besoin en fait. Je pense que c'est ça le truc. Hadès est déjà super en soi. On essaye de toper ça avec plus à côté. C'est peut-être un chouïa trop en fait, un peu too much. Peut-être que c'est ça que ça renvoie, je sais pas. J'en sais rien, quoi. Je les trouve corrects, ils me font sourire de toute façon assez efficace, mais j'allais plus loin que ça. Ils m'ont jamais autant marqué que ça, comparé à d'autres sidekicks plus poussés. Mais du correct, c'est déjà bien, et je comprends cette place. Sincèrement, je comprends très bien que ça vous ait marqué, qu'ils s'inscrivent bien dans le rythme du film, le rythme que le film va avoir. Après, nous avons Yao, Ling et Shenpo, que j'aime beaucoup. Voilà, par rapport à ce qu'ils apportent dans la dynamique autour de Mulan lorsqu'elle est alarmée, quoi. Ce sont les représentants un petit peu de l'homme, le nouveau soldat de base, donc le plus pacifiste, le plus vantard, le gros bras qui pense surtout à se battre en premier lieu. Ils ont chacun des caractères un petit peu clichés sur les bords, mais pas au stade où ça en devient trop ridicule. Trop ridiculement abusé, quoi. Ils essayent d'avoir une petite personnalité derrière. Et voilà, ça crée une dynamique de groupe qui rend très bien ce moment où Mulan s'incruste, s'incorpore dans cette armée. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle qui découvre l'endroit. Il n'y a pas que sa vision des choses de comment on s'intègre là-dedans, de comment on se prépare à la guerre pour la première fois. À ça, je trouve qu'ils apportent beaucoup. Ouais. Ils ont suffisamment de dynamique assez drôle dans leur façon de se rentrer dedans, qui les démarque bien et qui les rend plutôt mémorables. Ils aident beaucoup à cimenter une bonne partie du récit du périple de Mulan là-dedans, et donc ils apportent beaucoup pour moi. Ensuite, les trois fées de la Belle au Bois dormant, les vraies héroïnes du film, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est elles les héroïnes, hein, pas tant Philippe, même si Philippe à la fin il est un peu badass, mais c'est vraiment elles qui se démarquent le plus. Et ouais, quoi, elles ont une dynamique plutôt rigolote entre elles. Alors, plutôt dans le sens où faut pas non plus leurrer, il y a des moments où ça va un peu trop loin, où c'est un petit peu trop ridicule, quoi. On en fait un peu des caisses sur le fait qu'elles sont, qu'elles se mettent pas d'accord sur certains points. Non, c'est cette couleur, non, celle-là, tout ça, tout ça. Ou c'est un petit peu grossier pour forcer les choses à se passer comme ça. Je veux dire, le moment où elles font en sorte de se faire repérer
en étant trop elle-même, trop à se s'engueuler, c'était trop ça. Il fallait pas faire ça, il fallait faire ça un peu différemment pour que ça aille mieux. Voilà, donc ces moments-là sont un peu gonflants. Le reste, très efficace. J'aime beaucoup ce qu'elles apportent, j'aime beaucoup leur attache envers Aurore. J'ai failli oublier son nom, celle-là. Envers Aurore. Elles apportent beaucoup. Elles ont toutes les trois, chacune, leur petite personnalité à part. Donc l'une beaucoup plus vénère, l'une plus calme, l'une plus autoritaire. Ça rend très bien. Ça rend très bien. Et oui, c'est elles qui font le gros du boulot, comme je l'ai dit. C'est elles qui sauvent le plus la situation. C'est elles qui ont le plus de plans de sauvetage au cas où. C'est assez dingue, quoi. C'est elles qui sont au centre de la solution. Et tout ça pour une fille qu'elles connaissent à peine et à laquelle elles ont appris à s'attacher parce que c'était des bonnes personnes qui voulaient faire ce qui était juste. C'est pour ça que je trouve ça tellement, mais tellement insultant la façon dont on les a dépeints dans Maléfique. Voilà quoi, il n'aurait pas fallu les mettre quoi, si c'était pour faire ça. Rien ne serait mieux que la merde que vous nous avez fait, hein, vraiment, à ce niveau-là. Mais bon, hein, c'est pas non plus sans défaut, donc c'est pas non plus parmi le meilleur, meilleur, mais pour moi c'est quand même un trio qui fonctionne très bien. Gus et Jacques, je les trouve marrants. Une bonne partie du temps. Après, c'est assez inégal d'un film à l'autre, d'un moment à l'autre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à le classer aussi haut que vous, hein, sous ce duo-là. Parce que voilà, à ses meilleurs moments, il peut être très bon. C'est vraiment un duo de soutien qui est là pour Cendrillon, ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour elle parce qu'elle a été gentille envers eux et c'est super mignon, c'est très touchant de leur part, tout en étant drôle dans leur façon de l'aider. Et ça peut être très bon. Et il y a d'autres moments, ils accaparent trop le temps d'écran, ils sont un peu trop bébêtes pour ça et surtout, ouais, quoi, ils sont trop présents. Et c'est pour ça que oui, je les préfère largement, si je devais choisir, dans Cendrillon 3. Hein. Cendrillon 3, ils ont pile poil le temps qu'il faut. Ce sont de bons soutiens qui essaient d'aider au mieux avec leurs capacités. Ils sont nickel en tant que sidekick. Voilà, nickel. Dans Cendrillon 2, la majeure partie du temps, ils servent surtout à être des péquenauds qui font les andouilles. Voilà, surtout dans l'épisode centré sur Jacques, quoi. Où il est vraiment pas fameux. Et dans Cendrillon 1, ils ont des bons moments, vraiment, mais ils ont beaucoup trop de moments cartoon d'à côté pour remplir le film, pour qu'ils soient irréprochables, vraiment. Ils accaparent trop le temps d'écran dans ce film-là pour être aussi fort qu'ils le pourraient, quoi. Il faut savoir doser un personnage par rapport à son importance, et vous n'avez pas su le faire dans Cendrillon. C'est ça le truc, malheureusement. Donc voilà, je peux pas les adorer autant, même si j'aime beaucoup, je les aime beaucoup lorsqu'ils sont à leur meilleur niveau. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Mais bon, je vous comprends, hein. Le top 3, on sent que c'est un grand concours de popularité, hein. Je pense qu'on demanderait ça au plus grand nombre, hein, au grand public, quels sont les plus grands duos Disney, ce genre de résultat qu'on aurait au bout du compte, hein, le trio de fin qu'on a. Et puis ça se joue entre la place numéro 1 et 2 avec de non-surprises, hein, c'est évident, hein, ça, je savais qu'il tomberait numéro 1 et 2, cela, mais qui est premier, qui est deuxième? Oh, suspense. En deuxième, nous avons déjà Big Ben et Lumière. Voilà. Alors, ces deux personnages, une fois de plus, qui pour moi sont un petit peu définis individuellement, au-delà d'être définis en duo, je trouve, personnellement. Ce qui fait que, ouais, c'est difficile à jauger, parce que individuellement, ça va, je trouve sympa. Voilà, est-ce que c'est les plus extraordinaires du monde? Je ne trouve pas, c'est un petit peu exagéré, mais voilà, ils sont sympas. En duo, ils ont une certaine dynamique assez drôle. Qui passe bien et très marrante par moments. Voilà, globalement, en moyenne, c'est du bon. C'est du bon. Après, je sais pas, je pense qu'il manque un petit quelque chose. Un tout petit quelque chose pour être le plus extraordinaire qui soit. Je trouve, hein, un début de quelque chose pour les cimenter vraiment en tant que duo incontournable totalement. Parce que bon, je vous l'ai dit,
en début de liste. Voilà, pour moi, il n'y a vraiment aucun duo trio dans cette liste, à une ou deux exceptions près, qui sont vraiment incontournables. Et c'est pas trop le cas avec celui-là non plus, quoi. Je me souviendrai surtout d'eux en tant que personnages à part, qui ont leur personnalité, qui sont un peu marquants. Mais est-ce que je les considère comme des personnages inoubliables et extraordinaires dans ce qu'ils apportent? Ils donnent de la vie, c'est sûr, à l'univers, au château, mais est-ce que le rapport est si inoubliable que ça? Pas tout à fait pour moi. Manque un petit truc. Difficile à dire avec exactitude. Manque un tout petit truc pour que ce soit aussi impactant que ça pourrait être. Et oui, c'est toujours difficile à faire, hein. On soit bien d'accord, hein. Réussir déjà deux personnages comme ça, c'est bien. Vraiment, hein. Je vais pas non plus me plaindre, hein. Ils sont bien en tant que personnages. Est-ce que ce sont les plus remarquables? Pas tout à fait, manque un petit truc. Ce qui nous mène donc au numéro 1, c'est une grande surprise. Je déclenche une tempête à chaque fois que je... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Bon ben, c'est plié, et ce coup-ci je vais pas trop me plaindre, parce que oui, par rapport à la liste qu'on a, et c'est bien important, par rapport à la liste qu'on a, oui, Timon et Pumba, c'est le duo le plus efficace. Le plus construit, parce que oui, on passe des tonnes et des tonnes de temps dessus, soit sur le premier, le deuxième, le troisième film, la série dérivée même, qui s'y sont tellement mis en avant que bon, hein, voilà, on les liste aussi jamais l'un de l'autre, et ils ont une dynamique tellement reconnue, tellement mémorable, tellement classique, voilà, incontournable de nos jours, qu'il est difficile de ne pas penser à eux, quoi. Tu dis un grand duo Disney, tu dis bah, Timon et Pumba, voilà, le premier duo qui te vient en tête à la plupart des gens. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ils peuvent être très drôles dans leur dynamique, hein, ou des fois moins, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Dans le deuxième film, pas trop haut. Dans le troisième film, ça passe bien parce que bon, on prend le temps de se centrer sur eux. Dans la série, du peu que je m'en souviens, bien. Et dans le premier film, bien aussi, hein. Dans la série La Garde du Roi Lion, bon, pff, voilà, hein, ça dépend. Ça dépend, mais majoritairement quand même bien. Voilà, hein, bien. Et ils apportent beaucoup de choses, hein. Surtout dans le premier film. Je trouve vraiment que leur rôle a un impact très important dans le déroulé du développement de notre héros. Donc ils apportent beaucoup, quoi. Ils sont pas là juste pour faire rire. Ils ont un rôle assez important, et je pense que c'est ça qui les cimente en première place, quoi. Leur rôle est impactant, il est particulier, et il est traité d'une façon un peu spéciale, qui, en tout cas pour ma part, marche très bien. Je me suis déjà penché là-dessus dans ma critique du Roi Lion 3, si vous voulez savoir. Donc voilà, bon duo, bien fichu, mémorable. Je vais être du même avis que tout le monde par rapport à la liste qui a été faite, hein, parce que bon, une fois de plus, c'est pas les meilleurs personnages au monde qui soient, hein, mais voilà, quoi. Si je devais citer un duo réussi et marquant, c'est celui-là que je citerai en premier aussi, c'est sûr. Après, si on part dans la dynamique de duo au sens plus large, comme je l'ai dit avant, il y aurait des duos qui techniquement fonctionneraient un petit peu mieux, c'est sûr. Mais bon, si on part dans ce sens large, une fois de plus, mais je vous fais une liste de 200 personnages, hein. 200 duos faciles, hein. Il y a facilement un ou deux duos par film Disney que je peux vous citer en plus de ça. Vraiment, donc c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Donc voilà, il y a ça à dire. Ça reste des résultats un peu prévisibles pour pas mal de points. Quelques petites surprises, mais globalement, le résultat final, je l'ai vu un peu venir. Et ça se joue à pas grand chose, hein. 35 points près, hein. C'était soit La Belle et la Bête, soit Le Roi Lion, hein. C'est pas joué à grand chose, hein. C'est pas surprenant, ça change pas ça. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir voté. Vous avez été 300 piles, 300 tout rond à voter, donc vous avez été quand même un peu nombreux. Ça se maintient, ça fait plaisir de voir ça. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps, le mois prochain, pour le sondage de fin d'année. Merci d'avoir suivi. Au revoir.